Parlons peu, parlons baisse, mais surtout parlons de l'anime. Peu après la sortie de ma première revue de Beyblade Burst Super King, j'ai eu pas mal de retours assez mécontents pour avoir critiqué le retour d'anciens personnages pour la saison 5. Certains m'ont même dit que je n'aimais pas ces anciens personnages, alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas sans mon problème. Mais c'est effectivement dans l'eau, il y a Egger et Louis que je n'aime pas. Mais je vous explique. Beyblade Burst Turbo, Beyblade Burst saison 3. En cette saison, on nous présente un nouveau casting, une nouvelle génération de Bladers, et on part d'eux pendant un temps. Et au fur et à mesure, on les voit de moins en moins, ces nouveaux personnages. Et à la place, on nous remet des anciens personnages. Donc, hop, on nous remet Free, hop, on nous remet Shu, tout le monde est content, et en plus, c'est de nouvelles toupies, c'est génial. Sauf qu'ils n'apportent rien à cette saison, ils ne servent à rien. Free, son rôle était d'arrêter Egger qui t'a rappété les plombs, et au final, Egger continue d'être un connard. La même chose avec Shu plus tard. Il le tient en garde en faisant un parallèle avec Œil Rouge, ni Egger s'en fout. Mis à part ça, Free n'a rien apporté d'important dans Turbo. On a un parfait exemple avec son combat contre Kyle. Shu, il aide à la fabrication de Turbo Achilles, et c'est bien là sa seule utilité. Il a apparemment aidé Fubuki à s'entraîner, mais on ne le montre pas. Mon problème, il est là. Ramener dans un certain personnage, ok. Mais si son âge juste pour être là et ne pas faire avancer l'histoire qui a déjà beaucoup de mal à avancer, ça nous bouffe des épisodes pour de fans service à la con et faire de la paix pour leur toupie. Et si là vous me dites, oui, mais sans Shu, il n'y a pas de Spy Zone, ben, Ballet Burst Rise, il n'y a pas Shu, et pourtant on a Spy Zone S5. Elle existe. Alors, je n'ai pas dit que tous les personnages qui reviennent étaient inutiles. Je n'ai pas non plus dit que tous les nouveaux personnages étaient utiles non plus. Mais pour la saison 5, on a au moins 9 personnages qui reviennent, 9 plus populaires au Japon. Et quand on voit qu'avec seulement 2 d'entre eux, pour la saison 3, ça n'a rien changé, ça n'a rien apporté de vraiment de concret. Avec 9, comprenez pourquoi j'ai peur. Ramener des personnages adorés ne font pas forcément un scénario. Mais après, on a Beyblade Burst Rise, où les seuls à revenir sont Egger et Veit. Et ils apportent quelque chose à l'histoire. Certes, ils n'apparaissent pas beaucoup. Ce qui est normal, vu que ce ne sont que des personnages secondaires, et qu'ils n'ont pas à apparaître plus que nécessaire. Donc oui, si le combat final n'implique pas Egger et Veit, c'est normal. Beyblade Burst Rise ne raconte pas leur histoire, mais celle de Dante. Et Dante, son but n'est pas de surpasser Veit ni Egger. Concernant le combat final du croiseur de combat entre Egger et Veit, saison 3, épisode 28. Épisode que j'ai démonté en vidéo il y a plus d'un an et demi maintenant, je n'ai pas râlé juste parce que Egger a gagné. Non, non, et puis bon, on savait déjà que Veit allait perdre parce qu'on savait que Wonder Vatriek allait avoir une évolution, donc Turbo Vatriek. J'ai râlé parce que cette victoire, il ne la mérite pas. Cette vidéo que j'avais faite date de octobre 2018, nous sommes en avril 2020, et ce que j'ai dit à l'époque, je le pense toujours. Cette victoire, il ne la mérite pas. Il n'a eu aucune réelle évolution sur la vingtaine d'épisodes précédant son combat. Il a obtenu une nouvelle pointe qui lui permet d'avoir un mode attaque, défense et endurance. Et il utilise que le mode attaque, chose qu'il fera encore et encore pendant les 15 épisodes qui vont suivre pour l'arc de la Tour Dread. Et il n'était clairement pas dans l'esprit du Beyblade. Même Veit te le dit, ce combat, il n'a pas fait pour s'amuser, mais pour détruire Vatriek. C'est qu'il fera. Et après le combat, il n'a aucun respect pour Veit, limite il lui crache à la gueule. Et non, ce n'est pas de la faute de Fai, mais bien la sienne, et le reconnaîtra plus tard quand Zé-Achilles se fera détruire à son tour, et qu'il construira Turbo Achilles. Sauf que cette rédemption arrive beaucoup trop tard dans la série, parce que c'est vraiment en question, après, mais la série se termine très vite après. Autre chose qui m'avait énervé, c'est que Egger avait atteint son objectif à peine à la moitié de la saison. Ce but était de devenir le meilleur au monde. Il obtient l'épisode 28 sur 51. Du coup, bah, obligé qu'il perde son titre de champion juste après face à Hyde pour recommencer tout à zéro à la Tour Dread. Un arc répétitif, long et sans intérêt puisque Egger va gagner tous ses combats de la même manière, mais concrètement, il va rien y gagner. À part perdre Zé-Achilles. Et il n'y avait pas besoin d'autant d'épisodes pour que Zé-Achilles se fasse briser par Phoenix. Très clairement pas. Mais sachez que quand Egger gagne à la fin, je l'ai félicité, parce que cette victoire, il l'a mérité cette fois-ci. Juste pour l'épisode 28, il y a, pour l'avoir revu en français un petit peu avant d'avoir fait cette vidéo, il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui vont pas dans le développement d'Egger. Faire de lui un méchant, pourquoi pas, mais dans le contexte de la série, où il veut devenir le meilleur au monde, et de voir que toutes les personnes qui sont censées l'aider ne l'aident pas, au contraire, limite, ils l'encouragent, et il y a personne qui prend vraiment le devant pour essayer de l'empêcher de faire ce qu'il fait, pour de vrai, pas juste lui dire « Ah, c'est pas bien, non, non, vraiment, ce qui a fait le déclic, c'est Zé-Achilles qui a été détruit. » Mais ça arrive beaucoup trop tard dans la série, et il y a eu beaucoup de vide et beaucoup de blanc dans cette saison. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je n'aime pas Chozed ou Turbo, comme vous voulez. Pour terminer, concernant Fumiya, le Blader de Wizard Fafnir dans Beyblade Burst Rise, je n'arrête pas de voir des plaintes ici et là parce qu'il est soi-disant nul et qu'il ne mérite pas Fafnir, qu'elle ne...
qu'elle ne doit appartenir que à Free. Déjà, il n'a jamais été dit que Fafnir était unique au monde. On a déjà eu plusieurs Octavor, plusieurs Patriec de la saison 2, idem pour Excalus, Carbeus de la saison 3, et d'autres. Sa Fafnir n'est pas celle de Free, il y en a une autre, c'est la sienne. Et Fafnir est une toupie comme une autre, qui a ses forces et ses faiblesses, qui seront démontrées tout au long de la saison 4. Même si Free est idolâtré, il est déjà perdu dans la saison 2. Je parle pas du combat lors de la Coupe Internationale face à Volt à la fin de la saison 2, je parle de son combat qui a eu lieu un peu plus tôt face à Louis. Il est perdu par Burst Finish, me semble. Et on n'oubliera pas son combat contre Fai. Preuve qu'il n'est pas si fort que ça au final, parce que Fai n'a pas triché avec The Sash, il a gagné dans les règles de l'art, et Guess Fafnir a bien fini en puzzle. N'importe qui peut avoir n'importe quel B en principe, donc commencez pas à rager parce que quelqu'un d'autre possède une Fafnir, une or ou une belle cache, parce que c'est qu'à la saison 4. N'importe qui peut avoir n'importe quel B, et jamais été dit qu'une B devait appartenir à cette personne absolument. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur tout ça, parce que je vais probablement ne plus en reparler par la suite. C'est vraiment quelque chose que j'ai répété sur plusieurs de mes vidéos, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Mais voilà, gardez ça en tête à peu près pour savoir ma façon de penser dans mes vidéos et mes reviews. Parce que j'ai dit que Chozed et Turbo à saison 3, je vais leur parler, et je vais en reparler, désolé, hein, mais disons que c'est un peu mon point nord de l'animé. Mais sachez aussi que ce n'est que mon avis personnel, et que je respecte les avis différents du mien. Mais par contre, venez m'insulter parce que je critique quelque chose de l'animé, que c'est un personnage ou un épisode, alors que j'explique pourquoi, c'est vraiment pas cool de venir m'insulter carrément. C'est pas ouf. Et après, si vous acceptez pas la critique, moi je juge que quand on aime quelque chose, faut voir tous les bons côtés, et aussi voir tous les mauvais côtés. Et pour Super King, des critiques, je veux en faire assez souvent, donc... Désolé, j'ai toujours fait comme ça depuis que j'ai commencé les reviews depuis 2 ans, et je vais pas changer de fusil d'épaule. Allez, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.